Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Kensaiden, qui est sorti sur Master System en 1988. On commence avec une petite intro musicale assez sympa. Ouais, je vous remets la petite intro. Donc Kensaiden, sorti en 88. Kensaiden en japonais ça veut dire la légende du maître du sabre, Sword Master. Donc là c'est la version japonaise hein, sur laquelle on va jouer. Je vais jouer. Et donc on joue un samouraï qui s'appelle Hayato. Qui comme vous voyez a les cheveux blonds. Ça c'est la version japonaise, donc il a les cheveux blonds. Et en fait dans la version occidentale, c'est-à-dire européenne et américaine, il a les cheveux bruns. Donc c'est assez bizarre, j'aurais cru que c'était plus l'inverse, mais enfin bon. Donc on avance dans une espèce d'ambiance lugubre, sombre, mais assez sympa, dans un espèce de japonais, de Japon médiéval, puisqu'on est au 16e siècle, hein, c'est l'époque des samouraïs, du Bushido, des daimyo. Et donc on avance à travers des niveaux, il y aura 16 niveaux au total. Et on commence donc avec le premier niveau dans la forêt de bambou. Et dès le premier niveau, déjà on se fait bien harceler par les ennemis, donc les ennemis sont assez variés, et il va y en avoir encore plus par la suite. Alors là, les têtes de mort enflammées, alors ça c'est ce que je déteste. La technique c'est qu'il faut attendre qu'ils soient regroupés, pour pas se faire, voilà, quand là, voilà. Et comme ça en un coup ou deux, on arrive à les shooter, parce que s'ils se séparent, on se fait bien pilonner. Et c'est un petit peu le problème aussi de ce jeu, c'est que on peut se faire bien enchaîner entre divers ennemis, puisque ça nous fait reculer à chaque fois qu'on se fait toucher, et donc voilà, on se fait enchaîner et c'est pas toujours évident. Donc voilà, on finit le premier niveau. Et donc on arrive sur la carte où on voit les 16 niveaux qui seront à faire pour atteindre le château. Et donc c'est un jeu qui n'est pas du tout linéaire, puisqu'on va pouvoir, ici, bon là on choisit pas du tout pour le deuxième niveau, mais ensuite on va pouvoir choisir entre deux niveaux, voire trois niveaux différents. Donc ce qui est plutôt pas mal, quand on veut refaire une partie, on peut prendre différents chemins. Soit y aller directement au château, soit faire tous les niveaux. Donc le but, le scénario, c'est de récupérer donc des parchemins, qui sont détenus par des espèces de sorciers, des boss. Et donc il y aura 6 boss sur les 16 niveaux. Ah non mais eux ils sont vraiment casse-pieds quoi. Ouais, ils attaquent toujours dans l'angle où tu peux pas les shooter quoi. Alors les ennemis repop assez rapidement aussi, c'est assez pénible. Mais bon, quand on a compris le coup, après ça va un petit peu mieux. Donc l'univers est plutôt sympa, cette espèce de Japon médiéval, plutôt original. Donc pour un occidental, c'est vrai que ça nous touche un petit peu moins, hein, parce que vous allez voir qu'on est vraiment dans la mythologie, les mythes japonais. Mais c'est vraiment intéressant de découvrir donc cette culture. Donc pour ce test, je me suis un petit peu renseigné sur tout ce qu'on voyait dans ce jeu. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors là c'est un endroit aussi assez critique, assez casse-pied, parce que le mec veut pas descendre de l'escalier. Et quand il descend, voilà, il nous enchaîne et on n'y arrive pas quoi. Parce que les escaliers sont pas du tout comme Castlevania, hein. Il suffit pas de monter, d'appuyer sur la touche du haut, hein. Non, il faut sauter de marche en marche presque. Donc on se casse facilement la gueule, voilà comme là, on se casse facilement la gueule. Voilà, là, tac. Tac, voilà. C'est assez particulier. C'est un petit coup à prendre encore. Donc au niveau de la maniabilité, c'est assez mitigé hein, quand même. Parce que le perso se dirige quand même plutôt bien. Il peut faire des sauts longs ou courts suivant si on a de l'élan. Par contre pour avancer, marcher comme ça là, il est assez lent. Voilà, comme vous voyez là, il est pas très rapide. Mais quand même, le perso est assez maniable. Hein.
Donc on arrive au premier boss. Donc le premier boss c'est Wan Yudo. Donc c'est une roue enflammée avec une espèce de tête de mort. Donc ça fait vraiment partie de la mythologie japonaise. C'est connu, très connu même, comme étant un espèce de fantôme dans le folklore japonais. Donc voilà, hein, c'est vraiment basé sur cette ambiance japonaise. Donc ici là, il y a une technique hein, pour le tuer. Il faut, enfin moi je me mets à gauche. Et en fait, il fait une espèce de boucle. Enfin, il fait des allers-retours de droite à gauche, mais c'est toujours la même boucle qu'il fait. Donc on peut le toucher que deux fois, une fois ici. Et une deuxième fois là. Et après on est obligé d'attendre qu'il fasse son petit tour. En évitant les flammes. J'ai quand même pas mal galéré au début pour comprendre le coup. Parce que moi j'ai essayé d'éviter... J'ai essayé de courir dans tous les sens pour éviter les flammes. Mais en fait non. Il fallait juste rester dans le coin. Et attendre. Donc en tout il y aura 6 boss. On a donc celui-ci. Wan Yudo. Espèce de roue. Le deuxième boss ensuite ce sera un espèce de samouraï, un guerrier du nom de Benkei. Donc il a vraiment existé hein, historiquement. C'est un général où il était un samouraï au service d'un général. Par contre après on aura plus des monstres pour les boss. On aura une espèce de larve. Un monstre à deux têtes aussi et un monstre avec des têtes de mort. Donc voilà, on est moins sur la mythologie, on reste quand même sur les monstres. Et les boss sont vraiment très durs, d'ailleurs le jeu en lui-même est vraiment très dur, parce qu'on a que 3 vies, et il n'y a pas de continu. Alors on peut gagner une vie à 20 000 points, mais c'est quand même assez dur de faire 20 000 points. Je crois que je vais me faire pourrir là, je pense qu'il faut que je le tue encore une fois. Oh putain. Là ça va être chaud. Ouf. Bon là c'était chaud, hein. Je crois que s'il me touchait j'étais mort. Et donc ouais on a que 3 vies. Bah là j'ai récupéré donc ma vie. Ma barre de vie remonte à fond. Heureusement. Et donc voilà, on retourne sur la carte où on peut choisir cette fois entre deux niveaux. Donc celui-ci, c'est dans... Ouais, c'est dans la caverne. L'autre niveau en dessous, c'était une espèce de cascade avec de l'eau partout et des plateformes. Donc comme vous voyez, hein, c'est un beat'em all action, plateforme, un petit mélange de tout ça. Donc au niveau des graphismes, c'est quand même plutôt sympa. On est en 88 quand même. La musique est excellente. Ça c'est clair et net, la musique est vraiment excellente. Ça met une très bonne ambiance au jeu. Elle est assez variée, c'est vraiment excellent pour de la Master System, on est en 88. Les animations sont très bonnes. Il y a vraiment du détail dans les sprites, hein, les squelettes et tout ça sont vraiment très bien dessinés. Ah oui, alors là il y a une petite anecdote là sur. Il y a la tête d'Alex Kidd tout en bas. Vous voyez dans le fond d'écran rouge. Bon voilà, on s'en fout un peu. Vous voyez, hein, les animations des monstres sont quand même très bien faites. Les bruitages, je crois que y a le bruit de l'épée. Quand on tue un ennemi, on dirait que c'est un bruit qui a été repris de Shinobi. Espèce de métal là. Cling, cling. Il y a eu aussi une version coréenne. Et à l'époque, la Corée et le Japon étaient assez tendus diplomatiquement. Ce qui fait qu'ils ont changé le personnage principal en l'habillant en espèce de guerrier coréen. Et même la carte n'est pas la même. C'est la carte de la Corée et non pas du Japon. Donc voilà, il y a eu plusieurs versions de ce jeu suivant le pays. Bon, nous, là, ce qui a juste changé en Occident, c'est les cheveux qui sont bruns. Donc voilà, il y a 16 niveaux, 6 boss et un boss final. Et il y a aussi ces 4 petits niveaux, une espèce de training level. Oui, donc il faut...
J'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas réussi, hein. C'est un peu chaud, donc 5 ans d'entraînement où il faut éviter des flèches, des lances. Et alors l'intérêt de faire ces petits niveaux, c'est de... Non, bah, ça va, laisse tomber. Bon, on va se casser. C'est assez utile quand même, parce que, bon, si on réussit, ça nous augmente notre barre de vie, qui devient plus longue, et où ça réduit les dommages qu'on reçoit quand on se fait toucher. Mais bon, c'est vraiment chaud, quoi. Donc on a juste le sabre pour jouer. Mais à chaque fois qu'on va battre un boss, on va récupérer un parchemin. Et on va récupérer un espèce de pouvoir en plus. Donc par exemple, on va avoir une force de frappe plus importante. Je crois que le premier boss, lui, il nous offre un... Putain, merde. Le premier boss, il nous offre le fait de sauter un peu plus haut. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'après il y a pas mal de plateformes, donc ça aide bien, comme ici par exemple, c'est pas mal de sauter plus haut, plus loin, plus fort. Ensuite on a d'autres avantages avec le sabre, on peut tirer en hauteur, et on peut aussi se déplacer en attaquant, donc c'est plutôt sympa. Et merde, je suis tombé. Bon voilà, c'était Hayato. Le jeu s'appelle Kenseiden, c'est sorti sur Master System en 88. Je vous conseille d'essayer, c'est vraiment très bien, j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer. Très bon jeu, très dur, mais très très bon jeu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.